On ne peut pas ne pas s'arrêter sur le fait qu'on a affaire depuis pas mal d'années à une massification de l'enseignement supérieur et que c'est un enjeu délicat à traiter, extrêmement délicat. Je dirige une faculté, on n'y fait pas de sélection et malgré tout, l'enjeu à la fin, c'est d'aider chacun à réussir. Et cette massification, ici au Sénégal, en France, nous pose des difficultés de mise en œuvre. Je crois qu'on a aussi affaire à une population étudiante qui a envie de savoir, qui ne sait pas forcément toujours comment d'ailleurs, mais qui a la volonté d'aller plus loin, d'étudier. On a une population qui a envie de progresser socialement. Et ça aussi, c'est un enjeu pour nous, de pouvoir prendre en compte cette aspiration de la jeunesse. On a un monde socio-économique qui, lui, est en pleine évolution, pour plein de raisons. On a l'apparition du numérique, les problèmes de l'écologie, les problèmes sociétaux que nous connaissons au fur et à mesure dans nos différents pays. Et ça aussi, ça nous concerne puisque ça va impacter sur le devenir de nos diplômés et le devenir de nos étudiants. Je crois qu'on est obligé de aussi, et ça va être le thème principal de mon intervention, on est obligé de parler aussi des nouveaux métiers et du fait que l'enseignement supérieur a, à mes yeux, une première vocation essentielle, c'est d'aider chacun à s'insérer. Ça veut dire que si l'enseignement supérieur ne bouge pas alors que le monde socio-économique fonctionne et évolue, alors nous serons en décalage. Et c'est le risque permanent. C'est le risque de l'immobilisme, ou tout du moins d'un dysfonctionnement dans nos relations entre l'employeur et celui qui fait l'étudiant diplômé, qui est sans doute l'enjeu que nous devons traiter pour avoir une belle réussite. Alors, évidemment, ces défis-là, c'est des défis que nous pouvons relever de différentes manières. J'ai eu l'occasion, et j'en remercie beaucoup le recteur et son conseiller à l'université de l'UQAD. Je suis allé aussi à l'université de Bombay, aussi, quand je suis venu la première fois. J'ai eu beaucoup le temps de discuter avec des collègues, des dizaines de rendez-vous passionnants sur la problématique de la mise en œuvre de l'orientation et de l'insertion de nos diplômés. C'est-à-dire, au-delà des contenus scientifiques au sens très large, sciences technologiques, d'ingénieurs, humaines. J'ai beaucoup parlé avec mes collègues de cette chose-là et on s'interroge forcément sur l'insertion et la réussite de nos jeunes. Trop d'étudiants en France chutent en cours de route. Trop d'étudiants sont diplômés et ont du mal à trouver un emploi. Certes, on peut considérer que beaucoup en trouvent, mais notre mission, c'est pas d'en laisser sur le bord de la route. En tout cas, je pense que les partenaires français présents et les collègues sénégalais que j'ai rencontrés avaient le même avis que moi. C'est ce problème-là qu'il faut traiter. L'idée donc est de dire comment réussir à faire des formations porteuses, éviter l'échec, répondre aux besoins du monde socio-économique, être en phase. Et si vous permettez, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de data science tout à l'heure. Voilà un bon exemple où je crois qu'on peut communier les besoins d'une nation, l'envie d'une population jeune de monter, si l'on réussit à faire la formation qui va être en phase avec l'envie des uns et le besoin des autres. Et c'est tout le challenge, et d'ailleurs j'ai pris cet exemple parce que j'en ai d'ailleurs parlé très précisément avec les collègues de l'UQAD, avec une ambition dès 2018 peut-être sur ce sujet-là. Donc c'est toute l'ambition que nous avons de mettre en œuvre les choses. Ceci étant, lorsque l'on envisage cette insertion, on ne peut pas se cantonner à l'idée qu'il n'y a qu'à faire et ça marchera. Le « il n'y a qu'à faire » en France, on le connaît bien. Le « il n'y a qu'à faire », quelquefois, on ne l'a jamais fait. Et donc il faut quelquefois se donner des règles du jeu. Et je suis... Je vous vois sourire et vous avez raison. Je me suis bataillé des années dans mon université qui est jeune, elle a 18 ans d'âge, juste la majorité, pour réussir à changer les schémas et réussir à bouger les lignes pour qu'effectivement on arrive à des solutions. Et sans déflorer bien sûr tous les travaux qui vont être faits cet après-midi, demain, je voudrais juste évoquer les pistes principales qui me paraissent incontournables. La première chose à faire sans doute, et de se rappeler que nous devons former nos étudiants à bac plus, alors 2, 3, 5, personnellement 3 et 5. Je n'oublie pas les doctorants. Je n'oublie pas qu'il nous faut des élites scientifiques. Encore une fois, quand je dis science, c'est science toutes confondues. Mais nous n'emmènerons pas tout le monde faire un doctorat. Ce serait une folie douce d'ailleurs. J'ajouterais bien que les doctorants doivent s'insérer aussi, ce qui est un problème en France, qui n'est toujours pas totalement réglé et sur lequel il faut travailler. Et donc, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est que nous, universitaires, professeurs, nous réfléchissions à la transformation de nos cours pour aller vers le besoin d'entreprise. Je vois encore des collègues quelquefois qui me disent, pardonnez mon exemple en sciences, on va faire un cours de physique, un de maths, un de chimie, un de mécanique et un d'anglais. Je dis, mais ça, c'est des disciplines. C'est quel métier que tu prépares, toi?
bah, on va pouvoir faire tel métier, mais l'employeur, lui, il veut des gens qui se fassent de la production, de l'organisation, des nouvelles technologies, des data science. Lui, son vocabulaire n'est pas le même. Lui, il a envie de savoir si les connaissances académiques vont se transposer dans le secteur pratique. Qui peut me dire quelles sont les disciplines de la production? Quelle entreprise technologique n'a pas besoin de production? Toutes. Conclusion, nous aussi, nous avons toujours ce pas à faire en disant quels sont les besoins en face de nous, quelles sont les obligations de fonctionnement et comment transformer notre offre sans dénaturer les contenus pour aller vers l'insertion. Et c'est la première règle, et je vous assure que dans mon université, dans ma faculté, j'y ai travaillé ardemment pour que la totalité de mes formations soit en phase au niveau au moins des envies, des besoins et du vocabulaire. Parce que ça permet de se comprendre. Quand on n'a pas la même langue, on ne se comprend pas. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est les outils qui vont permettre aux jeunes de progresser dans ces disciplines au sens préparation de compétences métiers. Et donc, je sais qu'il y a un atelier sur les nouvelles technologies. Je crois que oui, nous devons révolutionner nos manières d'enseigner pour que, au-delà des compétences académiques, on offre des compétences professionnelles. Je vais juste vous prendre un exemple. Je me suis fâché plusieurs fois avec des collègues d'anglais qui me racontaient les textes littéraires qu'ils faisaient à mes étudiants. Je respecte la littérature anglaise, mais ma faculté est en sciences. Moi, j'avais donc envie de savoir quels étaient les outils techniques d'un scientifique dans une entreprise qui allait rencontrer des partenaires étrangers. Et donc, quels étaient les objectifs de langue dans ce cadre professionnel. Et cette dimension-là est la dimension que nous devons, à mon avis, toujours viser, quels que soient nos enseignements. Le point ensuite qui est incontournable, et les partenaires économiques que j'ai pu rencontrer et que je rencontre régulièrement, c'est la relation qu'on peut établir avec le monde socio-économique. Bien évidemment, l'université a sans doute, il y a quelques décennies, vécu indépendamment du bon économique, parce qu'il y avait moins d'étudiants, parce que tout le monde trouvait sa voie, il y avait assez de métiers pour les diplômés. Et maintenant, l'entreprise, au sens très général du terme, a besoin de gens compétents dans tel ou tel secteur, a besoin de repérer les diplômes les uns par rapport aux autres, et donc cette relation doit se constituer. J'ai beaucoup discuté avec les collègues de l'UQAD, je vous l'ai dit, avec les collègues de Bombay, et je préconise, et je l'ai dit très franchement, des conseils de perfectionnement qui sont des lieux de rencontre entre les professionnels et les universitaires, avec trois sujets qui me paraissent incontournables chaque année, car comme vous le disiez, madame, notre responsable de l'enseignement supérieur, comme vous le disiez, c'est un jardin qu'il faut cultiver tous les jours. Et donc, pour pas que la mauvaise herbe pousse, il faut échanger. Et je vous le dis, et je le dis aux partenaires économiques, j'espère avoir l'occasion de le faire en revenant au Sénégal ici, et ce sera avec grand plaisir avec mes collègues. Je pense que le sujet de l'insertion est un sujet qui nous concerne tous, faiseurs de diplômés ou employeurs de diplômés, et je pense qu'on peut ajuster une formation à son format en fonction des besoins du pays. Je le dis crûment. Et donc, l'entreprise doit savoir dire si le secteur est en développement ou pas. Est-ce que le BTP est en développement ou pas? Si c'est en développement, on peut prendre plus d'étudiants. S'il est moins en développement, on va inciter les étudiants à prendre d'autres voies meilleures. Donc, c'est un discours et c'est une dimension qui concerne les deux, tant le supérieur que le monde socio-économique. Le deuxième sujet qui me tient à cœur en permanence avec les entreprises, c'est le problème des stages. C'est-à-dire que l'étudiant ne doit pas du jour au lendemain, tout d'un coup, savoir marcher tout seul, il faut lui tenir la main un moment. Et donc, la notion d'interface par les stages, par les projets d'entreprise, est une dimension incontournable. C'est facile à dire, mais au moment où on dit « Ah, ben j'ai 150 étudiants pour lesquels il me faut 150 stages de qualité », l'entreprise a un peu peur. Elle se dit « Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire chez moi? Ils ne sont pas encore formés. » « Ah oui, mais s'ils sont formés, ils ne vont pas être prêts à aller chez vous, ils n'ont rien vu de ce qui se passe chez vous. » Donc, on a eu toujours une discussion sur combien de stages, où les fait-on, qui les gère, qui les encadre. Et là, encore une fois, dans le cadre des conseils de perfectionnement, je pense que c'est une discussion entre le monde supérieur de l'enseignement et les partenaires socio-économiques. Et la troisième dimension qui me tient à cœur sur ce sujet-là, c'est que je ne conçois pas qu'une formation professionnelle ne fasse pas intervenir des professionnels dans la formation. À un moment donné, il faut que la transition se fasse suffisamment pour que le savoir académique préparé permette de transiter vers les compétences qui vont être mises en œuvre afin de réussir à former des gens qui vont trouver leur voie aisément.
Ça, c'est le troisième point important. Et dans mon université, ce sujet-là est abordé pour chaque diplôme, tous les ans, avec l'ensemble des branches professionnelles concernées. Ce sont des voies incontournables. Ce sera ça, la réussite de nos diplômés. C'est celle-là, la bonne réussite. Alors, je voudrais vous dire ce qu'un jour, il y a maintenant un mois, quand j'étais venu, m'avait dit un jeune collègue de l'UQAM, m'avait dit, mais on ne forme plus de master recherche, on ne forme plus que des masters professionnels. Alors, je lui ai répondu, mais la question est bonne. Mais les masters de recherche ne sont-ils pas à vocation professionnelle aussi? Nos doctorants doivent-ils être au chômage? Je ne crois pas. Si l'élite ne trouve pas sa voie, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Donc eux aussi ont le droit à la professionnalisation. Et la deuxième chose, je pense que dans une formation dite professionnelle, on sait très bien à un moment donné extraire un étudiant de la partie professionnelle immédiate pour l'emmener vers des voies de laboratoire de recherche, pour le faire monter au cran d'au-dessus, si lui en a les compétences. Donc je ne pense pas que ce soit incompatible. Je pense que c'est très compatible. C'est juste un regard que l'on a sur l'étudiant et le fait qu'ils doivent ou non arrêter à niveau 3, à niveau 5 ou aller jusqu'au niveau 8. Donc toutes ces voies-là sont des voies importantes. Je ne voudrais pas prendre trop de temps et décliner l'ensemble des dispositifs qui me paraissent importants, mais en tout cas, la réussite passera par ce biais-là. J'ai la fierté ou prétention sûrement d'avoir une faculté qui a un taux d'insertion à 97,8% l'an dernier. Je pense que sans sélectionner nos étudiants, on arrive à des choses efficaces. C'est vrai que c'est de l'énergie. Je le dis devant nos représentants, c'est vrai que c'est du temps, et du temps, c'est des moyens, et des moyens, c'est des enseignants et du personnel. Je le dis, et je le dis au nom de mes collègues sénégalais qui disent que la réussite a un coût. Mais elle a un coût inférieur aux dégâts que font l'absence de la réussite. Et c'est là l'enjeu. Et donc nous avons beaucoup parlé de nos objectifs de formation, qui sont prêts. Monsieur le recteur, je vous le dis, ils sont prêts. Je vous le redis devant tout le monde. Nous avons beaucoup travaillé et ça va fonctionner. Mais c'est vrai que on va faire attention à l'objectif. Un enseignant chercheur ne sait pas forcément trouver un stage tout seul. C'est pas son métier. Il faut quelqu'un qui puisse effectivement s'en occuper. J'ai dans la faculté obtenu de mon président un personnel en charge uniquement de ce sujet-là, qui donc rencontre tous les jours de la semaine, toute l'année, les entreprises et qui balaye les secteurs au fur et à mesure pour pouvoir faire une bonne offre aux étudiants. Et ça fonctionne, on y arrive. Donc nous ne manquerons pas, dans cet excellent projet que nous avons, de regarder les conditions d'un très bon fonctionnement et surtout d'une belle réussite. Je pense que. On a beaucoup parlé de choses très importantes que vous avez évoquées, Monsieur le Ministre, sur la réussite, les enjeux. Moi, j'aime bien un mot particulier. Je suis un Breton n'oublie jamais ses racines, même si elles sont vaguement africaines, figurez-vous, c'est vrai. C'était vrai. Oh, pour les curieux, Bedel vient de BDL, Jean-Baptiste de la Salle, et bon, j'ai bien des ancêtres africains, visiblement. D'ailleurs, à preuve, je m'y sens bien, donc quand j'arrive au Sénégal, finalement, j'ai une graine africaine qui pousse dans le cœur. Mais ce qui est important de dire, c'est que cette réussite dont on parle, c'est la réussite de toute jeunesse, pas que des sciences. Hein. Je vous assure, Monsieur le Ministre, que nous allons aussi réussir à faire des partenariats dans les sciences humaines. Elles sont prévues et nous avons deux points importants qui nous tiennent à cœur. Un point sur la francophonie qui nous tient à cœur, c'est notre langue. C'est notre langue. Le français n'est pas qu'au français, il est à tout le monde. Et puis un autre point important sur l'enseignement, parce que je n'ai pas oublié que pour former des bons étudiants, il faut aussi se préoccuper de ce qui se passe avant. Et nous avons l'envisagé à une formation avec les chefs d'établissement du secondaire que nous avons chez nous. Donc c'est un ensemble de formations qui est un dispositif de qualité. Je vous disais qu'en Bretagne, on est inquiet. On est au bord de la mer, comme ici, on est au bord de la même mer, l'Atlantique. Et donc, on dit, je ne vous le dirai pas en breton, à moins qu'il y ait des bretons parmi vous, mais on dit grosso modo que. Lorsque le vent gronde, le marin timide et timoré reste chez lui, quitte à ne pas nourrir sa famille. Le marin un peu fou va aller en mer, mais fera partie des disparus. Le marin audacieux, lui, va renforcer les voiles avant d'aller en mer. Alors moi, je dis audacieux, c'est la bonne chose. Je pense que ce campus doit être audacieux. Il nous faut de l'audace. Et l'audace sera sûrement notre réussite. Aujourd'hui, la France, le partenaire historique. Demain, la Finlande pour ses innovations. Demain, l'Allemagne pour son système dual. Puis Singapour, puis la Corée, puis d'autres. Oui, nous devrons nous abreuver aux meilleures sources. Monsieur le ministre, je n'ai jamais été un grand diplomate. Excusez-moi de citer d'autres pays aujourd'hui, ici dans cette salle.
Université africaine ouverte, parce que Afrique, berceau de l'humanité, cette Afrique a tant à apporter à un monde de plus en plus complexe, un monde où l'on se pose des questions. Pour repenser, il ne sera pas possible de repenser ce monde sans l'Afrique. Université africaine ouverte, parce que multilingue, français, le français, l'anglais, qui sont des langues africaines aujourd'hui. Le président Senghor disait « butin de guerre » après la colonisation. Ce sont nos langues aujourd'hui, elles nous appartiennent. Mais aussi le swahili, le pula, tant de joyaux linguistiques de notre continent. Tout ceci dans cette université. Ainsi seulement nous irons au-delà des frontières héritées. Nous abattrons les murs séparant le monde anglophone du monde francophone, les lusophones des hispanophones. Et nous aurons enfin répondu à cette invitation formulée depuis très très longtemps par le président Senghor. Le Sénégal invite le monde à un banquet de l'universel, disait-il déjà. On ne parlait pas de mondialisation, on ne parlait pas de globalisation, mais il avait vu cela. Oui, je rêve d'une université, rendez-vous du donner et du recevoir, cela a été dit ce matin par Laurent. Une université qui abat les murs et qui a la place, mais des ponts. L'université invente l'avenir, à un moment où nous nous posons des questions. Elle participe, selon la belle expression de mon aîné frère Souleymane Bachir Diagne, à l'usine de fabrication de l'avenir. Elle produit ceux qui vivront ce futur, ceux qui devront l'alimenter, le réinventer. Elle produit en réalité les acteurs décisifs de cet avenir. Pour cela, nous devons dessiner la société de demain. Les apprentissages adaptés, vous en avez parlé tout à l'heure, chers collègues, et ceci sans linéarité aucune. Je pense avoir été moi-même, comme beaucoup ici, victime de cette linéarité qui nous a amené du CI au bac et par la suite. Le service à la communauté y aura une place de choix. À mon avis, lorsque l'on parle de vrai plan Marshall pour nos systèmes éducatifs, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de temps, le mécénat de temps. Si aujourd'hui, tous les cadres d'entreprise accordaient une journée par mois au système éducatif, une journée par mois, si tous les étudiants accordaient une journée par mois à une classe d'école primaire, je vous assure que nous aurons changé beaucoup de choses et nous bâtirons une université dont la seule et unique préoccupation ne sera pas l'étudiant, mais la société dans son ensemble. L'Afrique est plurielle, c'est ce qui fait sa richesse, d'où l'importance de bâtir un espace éducatif riche de cette diversité. Et à ce moment, aux jeunes Africains d'aller au-delà de leur traditionnelle zone d'évolution, et c'est là que la mobilité universitaire a son sens. Aminata aura un souvenir. Ces moments, pendant les débats sur la concertation sur l'avenir, j'insistais sur cette mobilité, d'abord régionale, puis continentale. Et ce sera, à mon avis, c'est là qu'est la seule voie pour avoir une Afrique unie. Et l'Afrique, l'université peut y aider. Achille Mbembe disait, nous devons ouvrir le continent à lui-même, d'abord, et le transformer en une maison de pouvoir. Cela est faisable. Oui, le continent doit être transformé en un vaste espace de circulation. Dans un monde qui est multipolaire, laissons les étudiants partir, bouger. Oui, je rêve d'une université plurielle par la mobilité des étudiants. L'école doit être, on est tous d'accord, pensée, repensée de fond en comble. À mon avis, la solution réside dans une rupture forte. Je vais être honnête, là mes propos étaient un peu plus durs, mais mon collègue professeur d'université a enlevé quelques lignes, mais je ne peux pas ne pas les dire, malgré le fait qu'il les ait enlevées. Je pense que demain, véritablement demain, le chercheur émérite, que j'ai vu souvent avec ses petites lunettes là, parlons pas fort, le concepteur de cours, le scénariste des enseignements, l'animateur avec brio en salle, nous ne pourrons plus être une seule et même personne. Donc là, des métiers vont se créer. Les choses vont exploser. Et je sens que ça va venir très, très vite. Oui, je rêve d'une université qui anticipe. Ce sera à nous de le faire.
tout l'avenir de l'intelligence dépend de l'éducation, et plus précisément des enseignements en tout genre que reçoivent les esprits. L'université ne doit pas se contenter d'être une fabrique de diplômés. Merci pour vos propos. Elle ne doit pas se résumer à, pour parler comme Valérie, à une distribution de comprimés de science. Il faut aller au-delà de ça. On a un maître et un guide ici, Cheikh Hamidou Kane, qui a été cité déjà ce matin. Il disait qu'au sein des universités, il nous faut apprendre à lier le bois au bois. L'université doit parachever une éducation déjà donnée dans les familles. Il nous faut élargir les perspectives qui s'offrent à l'humanité et non les limiter. Comme nous y conduisent, je vais le dire aussi, malheureusement, trop d'idéologies aujourd'hui et de paradigmes prédateurs. Ça se passe dans les universités aussi. Oui, je rêve d'une université créatrice de valeurs et non pas seulement de valeurs ajoutées. Et de la jeunesse, vous les avez entendus, ces jeunes, aujourd'hui. La relation entre la jeunesse et l'université est souvent appréhendée dans un sens unique. C'est l'université qui offre des formations, c'est la jeunesse qui reçoit, tel le pélican. Et si pour une fois l'université acceptait de recevoir de la jeunesse, il émerge sur le continent. Je les vois partout, on les voit beaucoup dans les pays anglophones, mais on les voit aussi dans nos pays, on les voit dans les banlieues françaises. Il y a une jeunesse africaine qui bouge. Africa Rising, on dit, ça bouge, il y a quelque chose qui se passe, tel des abeilles, ces jeunes qui construisent en marge de tout système. On a parlé de Fab Lab, ça se passe, c'est en train de bouger sur ce continent. Il y a des choses extraordinaires, et ils créent tous leur entreprise. Écoutons-les, à mon avis, on a besoin de les écouter, et l'université a besoin d'apprendre de cette jeunesse. Que de défis pour nous tous. Parmi eux, celui de la qualité et celui de la massification. Monsieur le recteur, gros souci. Et l'on a trop tendance à associer dégradation de la qualité et massification de l'éducation en Afrique. À mon humble avis, je vous dirais grosse erreur. Il y a longtemps, dans ma terminale, on était 60. Ils sont devenus médecins, ils sont là. Ils n'en sont pas morts. L'Afrique n'a pas un autre choix que le droit d'imaginer une formation de masse pour sa jeunesse. C'est un défi. Et monsieur le recteur, je ne peux pas taire ce que nous avons partagé. Je n'ai pas de secret, moi, vous savez. Vous ne pourriez rien me dire parce que je répète en salle toujours. Dans le secret de votre bureau, il y a 5 ans, nous étions moins de 5, feuilles blanches, quelques crayons à papier, nous dessinions. Vous avez dit « Eno », j'ai éclaté de rire, « ça passera jamais ». Je dis open space. Vous avez dit 10 000 étudiants. Je dis, mais c'est pas possible, monsieur le ministre. On commencera par 800. Et on a dessiné. On avait des papiers. Votre secrétaire pouvait m'appeler à tout moment. Je dis, mais il faut lui dire, moi j'ai un cœur sensible. Il ne faut pas me déranger à tout moment. 7h30 du matin, vous m'avez appelé souvent. Et ainsi est né l'UVS. Ainsi est né l'UVS, monsieur le ministre. Et j'étais heureux d'apprendre. À mon grand regret, je n'ai pas pu être là. La sortie de la première promotion, après 5 ans, on m'a rapporté tous vos propos. Et le jeu, merci. Après 5 ans, deuxième université du pays, 22 000 étudiants. Personne n'y croyait. Monsieur le ministre, personne n'y croyait. Aujourd'hui, j'apprends que des étudiants font le choix en disant « on ne veut pas aller dans telle université, on préfère aller à l'université virtuelle ». Merci de m'avoir associé à ce projet. Merci. Et enfin, le campus franco-sénégalais. Le campus que nous voulons bâtir ensemble se veut donc, j'ai dit, concentré de valeurs africaines. Rendez-vous du donner et du recevoir, fabrique de devenir, espace pluriel, espace d'anticipation, enquête d'humanisme et de sens, à l'écoute de la jeunesse. C'est déjà profilé un peu. Et ensemble, nous aurons fabriqué l'Africain du 21e siècle. Pour ma part, je me félicite de l'initiative. J'ai échangé avec l'ambassadeur, je trouve le titre un peu réducteur. Campus franco-sénégalais, le film des sommets France-Afrique me revient. Mais je ne désespère pas qu'on trouvera un nom. Et l'ambassadeur me dit, mais quel nom? Je dis, à l'image de Ubuntu qu'on a partout dans le monde, je pense qu'on trouvera bien un mot
Wolof, Serir, tout couleur, qui pourra partir aussi à travers le monde, comme Mandela a pu faire passer Ubuntu à travers le monde. Et à ce moment, on aura créé vraiment quelque chose de fort, je le pense. Ces programmes, son organisation, son attractivité, nous permettront d'y trouver aussi des étudiants, des enseignants européens, asiatiques, américains, qui tous auront pris conscience d'une chose, que c'est ici que l'on doit venir s'abreuver à la source de l'humanité.